Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 23e, je crois, épisode de mon Let's Play Hardcore sur Diablo 3 Reaper of Souls, toujours avec ma petite sorcière Célandra. Hardcore, alors, on commence acte 5, petite chose importante avant de commencer, c'est que j'ai pas vu qu'il y restait une difficulté disponible, la difficulté calvaire. Et donc du coup bah voilà, ça y est, j'ai mis la difficulté calvaire, ça risque d'être un peu plus compliqué quand même. On va bien voir. Mais j'ai pas le droit de redescendre de difficulté. Je sais pas, est-ce que j'ai le droit de redescendre de difficulté? J'ai juste pas le droit de mourir donc. On va voir. Parce que je sais que l'acte est quand même bien plus difficile, enfin. À une difficulté un peu dosée assez différemment avec des monstres qui peuvent être très 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 violents. On va voir. Poser des hydres quand même. Hop. Alors j'aime énormément ces zones, cet acte en lui-même, parce qu'il y a énormément d'événements différents. On n'en a pas fait beaucoup dans les actes. Dans les actes précédents, parce qu'en fait il n'y en a pas tellement, je crois qu'il y en a plus dans cet acte là que dans les quatre autres actes réunis, je crois. Mais c'est vraiment un truc de fou, hein. Oula, attention, ça va faire boum. Bon, par contre, quand même avancer un peu. Alors, là faut qu'on trouve le creuset des âmes à la traversée de Gédéon. Aïe, par exemple ces mobs là se font quand même vachement mal. Et ont une satanée tendance à stun. Voilà, faut vite s'en occuper avant que qu'ils embêtent. Ah, un bassin de réflexion. Expérience ajoutée en réserve. Oh oh. Une flèche indique la direction. C'est la bonne route. Bon, par contre pas d'event. D'habitude j'en trouve 4-5 au minimum. Ouais, c'est nul. Ah mais ça passe pas par là. Des fois on rentre dans des maisons, je trouve ça. Le level design, franchement, pour les nouvelles zones de l'acte 5, est vachement, vachement différent. On sent que c'est un, il y a eu un changement de directeur de jeu, hein, entre Vanilla et Reaper of Souls. Ah, bah voilà, un event. Est-ce que je l'ai fait? Oula, par contre, il y a une ombre de Maltael. Voilà. De temps en temps il y a des saloperies comme ça. Brasserie de Tustin. Ça je crois que je l'ai pas fait. Il y a tellement d'événements que dans ces actes que je suis pas sûr de les avoir tous fait. Ah quoi que non, je crois. Si, je crois que je l'ai fait. Je crois que je l'ai fait. Certains de mes hommes sont immobilisés par des revenants dans la cour. Je vous en prie, aidez-moi à les tirer d'affaire. Ok, il y a quelques mobs ici. Ouais, si, j'ai déjà fait. Par contre, ces mobs là, là les... Bon, pas lui en particulier parce que c'est un rare, mais ces mobs là, ils font vraiment très très mal. Faut vite les éliminer. Avant qu'ils posent des problèmes. Vous connaissez la raison de tout cela? C'est de la folie! Emmenez vos hommes jusqu'à l'enclave des survivants près de la cathédrale le plus vite possible. Que j'en puisse de puissance. Yep, niveau 42. Armure de glace, foire à mordant. Les attaques en mêlée subissent aussi des dégâts. Ok, projectile magique, tête chercheuse. Les missiles suivent la trajectoire des ennemis le plus proche, infligent des dégâts supplémentaires. Blizzard, glaciation, les ennemis pris dans la tempête ont des chances d'être gelés. Ok. Ça fait beaucoup de choses. Bon, alors là, faut quand même que je trouve
Oh tiens, il y en a un autre. Maison mise à sac. Vous voyez, plein d'événements partout. Chercher survivants dans la maison. Ah, bah ton père est mort. C'est des hydres que je posais, pas des familiers. Voilà. Ah, ça fonctionne bien les hydres, mais faut penser à les poser, c'est ça qui est un peu délicat. Ah oui, il y a des bandits. Voilà. On avance. Et un coffre resplendissant en prime. Alors par contre leur parent est mort, enfin leur père est mort, mais ils s'en foutent. Ils s'en fichent complètement. Hop. Ce qui m'énerve c'est qu'on tourne un peu autour de la sortie. Aïe. Boum. Laisse-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Voilà. Hop. Ok, il y a un rare. Oh et merde. J'aime pas les enchanter par les arcanes. Je peux plus bouger là. Soirée d'endormissement impossible avec des rayons laser partout. En plus c'est les laves là. Oh. Passe-toi. Ok, c'est par là. Même les chiens d'Westmarch, autrefois dociles et affectueux, se sont transformés en créatures sauvages et brutales. Ils chassent en meute dans les rues et déchiquettent leur proie avec une insatiable voracité. Mais alors, par où je passe ? Littéralement les membres d'un soldat. Dès que ces hurlements eurent cessé, les bêtes me prirent pour cible. Alors, par où je passe ? Voilà, un invocateur des morts, faut... Ça faut les tuer parce que si voilà, ça élimine aussi les bestioles qu'il a invoquées. Ah, cour de Winton. C'est bien trop propre pour du travail de faucheur. Qui allait faire ça? Chercher les tueurs dans la cour de Winton. Je crois que j'ai jamais fait. La mort, les nobles. Ah si, je l'ai faite. Oups, désolé, j'ai passé le truc, mais en gros le peuple se rebelle contre la royauté et les nobles. Ça me rappelle quelque chose. Nous sommes très heureux d'apprendre que vous avez localisé un régiment de survivants. Cette troupe peut nous permettre de renverser le cours du conflit et de sauver la ville. Nous n'ignorons rien de vos différends avec la couronne, mais il nous plaît de constater que vous avez su les mettre de côté en cette heure périlleuse. Longue vie à l'Ouest March.
Alors, en fait, le roi de Westmarch n'est pas très aimé du peuple, mais en même temps, il n'est pas très très doué, il le sait. Mais le peuple l'aime pas non plus. Du coup, il y en a certains qui en profitent pour faire un coup d'état en même temps. Ils profitent du bordel laissé par Maltael pour éliminer le roi et faire un coup d'état. Sauf que c'est pas très intelligent, hein. Quand la ville est au bord du gouffre, éviter de faire un coup d'état, ça serait cool, quoi. Alors, c'est Gédéon. Ouais, des cadavres partout. Des cadavres partout. Ah, je vous dis que l'ambiance de cet acte-là est clairement différente. Là, on retrouve vraiment une ambiance à la Diablo 2. Plus sombre, presque un peu comme Path of Exile, bon, dans un style assez différent. Mais beaucoup plus macabre. Voilà. Là, faut qu'on pète les tas de cadavres. Hop. J'ai plus assez de puissance arcanique. Ok, Driga, adjurateur de la mort. On doit éliminer. Ah, j'ai un sort sur la touche 14, il faut que je m'en serre des fois. Ça pourrait être très intéressant d'utiliser Arcombe de temps en temps. Oh oh, plan, le destin de Kane. Plan de 7. Je savais que vous arriveriez à temps pour me sauver. Comment pouviez-vous savoir? Je m'appelle Myriam Jazia et je suis une voyante du peuple des Vessins. J'avais vu notre rencontre, mais pas cette horreur. Je suis là pour vous aider. Il reste encore un creuset. Si vous détruisez celui-là, les Vestales ne pourront plus en créer d'autres. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons partir. Et tout de suite. Alors, bon. Bah, ça y est, on a... Ah tiens, Maltael, coucou. D'accord, c'est juste pour me dire Néphalem. Ah, je trouve ça génial. Cimetière de Briathorn. Et filez à l'enclave des survivants avant de vous faire tuer. Ne soyez pas ridicule, vous me protégerez. Et au vu de ce que ces créatures font aux gens, disons juste que si je veux à nouveau dormir tranquille, je dois vous voir détruire ce dernier creuset de mes propres yeux. Bon, là faut que je trouve le deuxième creuset des âmes. Oh, un event. J'entends mon époux qui gémit dans ce sarcophage. Je vous en supplie, faites cesser ces souffrances. Ok. Tiens, sors de là. Wow, me gèle pas non plus. Myriam, en fait, celle qui nous suit, c'est la... Comment elle s'appelle déjà? C'est l'autre, le dernier artisan, là. La mystique, voilà. Il s'agit de la mystique. Bon, on va la recruter à la fin du deuxième creuset. Et c'est un personnage extrêmement pratique. Je vous montrerai pourquoi une fois qu'on l'aura recruté. Bah non, c'est con pour eux. C'est con pour eux là. Je vais t'éliminer vite fait, bien fait. Voilà. Ah, et des zombies. Séraphin funèbre. Ils sont hyper fat ces séraphins. Ils ont trop bouffé. Ne soyez pas si morose. Vous avez une foule de raisons de vous réjouir. Vous plaisantez, j'espère. C'est une leçon que j'ai apprise. Dans les situations les plus terribles, il vaut mieux rire que pleurer. Ah, des résurrecteurs. Bon.
Oh là 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 là. On va utiliser ça, hein. Contre des résurrecteurs, c'est la bonne idée. Tiens, laisse-moi tranquille, toi. J'aime pas leur chaîne de feu. Laisse-moi tranquille. Voilà. C'était juste. Voyez, dites-moi si ce massacre et cette destruction permanente cesseront un jour. Bien sûr que tout cela cessera. Alors, parce que là, ça augmente les dégâts, mais ça diminue énormément. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que vous mentez ? La robustesse. Je ne disais pas entièrement la vérité. Ça, et parce que vous êtes sans le charisme, qui ne croit pas pouvoir être heureuse et satisfaite de son sang. Ok. Ça n'a pas l'air d'être par là, je crois que c'est plutôt par là. Boum. On va revenir un peu sur nos pas. C'est formidable que nous nous rencontrions enfin. Même si vous êtes plus maigre que dans mes visions. Dites-moi si je me trompe. Vous ne prenez pas soin de vous. Sauver le monde passe toujours au premier plan. Et c'est tout ce qui compte, madame. Ok, un rare. Ah mais j'ai perdu mon... mon familier, je me disais aussi, je faisais moins de dégâts. Bon, là ils font quand même vachement bobo là. Ah je comprends mieux, ils ont vampire. Ah ouais. Hop, éliminé. Ça c'est bon. Bon, bon, en fait non, c'était par là. C'était par là. Toc. On va éliminer quelques mobs, ça fait toujours un peu d'XP. Toujours appréciable le XP. Et du fric. Ouais, c'est ça, c'était par là. C'était par là. Bon, maintenant, faut chercher dans cette zone. C'est pas forcément gagné. Ah, il y a du monde là. Voilà. Il va falloir que je me mette à être un peu plus concentré parce que j'ai augmenté la difficulté, je monte plus vite de niveau, le stuff suit pas forcément et on a changé d'acte. Je sais que l'acte est quand même un poil plus difficile sur. Oula. Alors on a un ennemi violet ici. J'élimine les résurrecteurs là, tac. Voilà. Ah,
Ça fait 20 minutes. Ouais, je vais essayer quand même de trouver le creuset des âmes là, parce que j'en ai presque dévoilé entièrement la carte. Ce serait bête de pas le trouver. Je vais essayer de le trouver. Hein. Bon, c'est qu'il doit être par là-haut, évidemment. J'aurais fait toute la carte pour le trouver. On va aller voir là-haut, je pense qu'il est là-haut. Ah, nouvel event. Ouh, de l'argent. Robert, on va faire l'event d'abord. Vous arrivez à temps pour me protéger pendant que je chope ces derniers bijoux. On partagera, d'accord? Ça semble prometteur. Montez la garde. Si je me fais bouffer, ce sera votre faute. Ah, rien. Rien, il déterre les zombies. Arrête de déterrer les zombies aussi, patate. Ça y est, t'as trouvé? Tiens, on va trouver un boss maintenant. Oh! Cette fois c'est la bonne, je le sens! Oh bah intéressant, une ceinture légendaire! Merci de m'avoir gardé en vie, voilà votre part. À moi, je vais me trouver une petite caverne à vous donner. Hop, niveau 44. Ça monte bien, ça monte bien. Faudrait que je vois quels objets. Enfin. Quelle rune j'ai obtenue déjà. J'aurais vraiment trouvé la fin là. Ça y est, trouvé. Ça y est, cours de repos des nobles. On va s'occuper du creuset. Il y a plein de cadavres partout encore. Allez, on va s'occuper des tas de cadavres. Ok, la méfiance. C'est quand même pas mal de mobs. Aïe. Hop, on va se casser de là. Il reste plus beaucoup de piles de cadavres. Plus qu'une. Et il faudra s'occuper du reste. Ok, bon bah là je pense qu'on va prendre ça, ce sera beaucoup plus simple. Faire gaffe à pas crever non plus. Voilà. Quand même. Qu'est-ce que c'était que ça? Ça, c'était Urzael. Et par curiosité, qui est cet Urzael? Urzael est l'ange qui commande l'armée de Malkael dans cette ville. Je crois que vous l'avez mis en colère. Tant mieux. Retournons à l'enclave pour voir si Tyrael a progressé. Ok, elle adore énerver les gros machins. Voilà, voilà. Bon, ben, on va s'arrêter là. Je vais faire mon petit micmac. On va quand même regarder la ceinture légendaire.
faire mon petit micmac dans mon coin avant le prochain épisode. Ah, bah ça c'est de la bonne ceinture légendaire. On équipe. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous !